Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue en ce dimanche de Pâques. Ce dimanche de Pâques nous rappelle que nous avons nous aussi à nous laisser toucher par le Christ ressuscité. Que cette apparition que Jésus fait aux apôtres, c'est aussi à nous qu'il le fait. Nous avons à croire en Jésus ressuscité. Eh bien, pour entrer dans cette action de grâce, je vais passer parmi vous pour vous offrir l'eau bénite, l'aspersion par l'eau bénite. Et là, je sais, je vais vous voir. Vous allez voir arriver des gouttes d'eau, vous allez éviter qu'elles vous arrivent dans le front. Mais c'est une bénédiction. Que l'eau vous touche est une bénédiction. Que vous vous laissiez toucher par le Seigneur est une bénédiction. Tout d'abord, je vais faire cette prière d'action de grâce sur l'eau, pour qu'elle puisse être pour vous signe de la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Nous sommes sauvés. Tu es
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Et maintenant que nous avons été bénis par le Seigneur, maintenant que nous sommes entrés dans la résurrection du Christ, chantons gloire à Dieu. Prions. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
du livre des Actes des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ceux qui croient que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau,
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, mais il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À vous qui remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup de mes paroissiens me disaient que Thomas était comme eux, qu'ils avaient ce doute, qu'ils voulaient croire en Jésus, mais qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir croire, qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait toujours ce doute qui persistait en eux. Thomas avait raté la première rencontre avec les disciples. Et voilà que même la parole de ses frères, il ne pouvait la croire. Même la parole des apôtres, il ne pouvait le croire puisqu'il aurait pu se faire avoir. Le doute l'a empêché de se faire avoir. Des fois, nous autres aussi, des fois, on doute parce qu'on a peur de se laisser avoir. Tout d'un coup que l'Église, ça fait déjà 2000 ans qu'elle raconte les mêmes choses, mais tout d'un coup que ça fait 2000 ans qu'on se fait avoir. Je vais-tu me laisser avoir moi aussi? Est-ce que je vais croire quelque chose qui est incroyable? Alors, voilà que Thomas, en exigeant de voir Jésus, en exigeant de pouvoir mettre son doigt dans les trous de Jésus, de mettre sa main dans son côté, voilà que Thomas devient celui qui vient fortifier notre foi. Thomas a vu le Christ ressuscité. Il n'a pas eu besoin de mettre son doigt pour pouvoir vérifier que c'était bien Jésus. En le voyant, il a cru. Mais je me pose la question, pour toi, qu'est-ce qui est nécessaire pour que tu croies que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? Parce qu'on a beau arriver avec les évangiles, on a beau arriver avec les témoignages des apôtres, on a beau arriver avec l'enseignement de l'Église, avec les miracles qui ont eu lieu en son sein. Tes parents ont beau avoir dit « il faut que tu croies », qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? Pas pour toute la gang, là, pour toi. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que tu puisses dire « j'ai mis mon doigt dans le côté du Seigneur. J'ai mis mon doigt dans le Christ ressuscité. Maintenant, je peux croire. » Quelle serait la manifestation de la présence du Christ ressuscité? Certains ont vu des miracles, ont vu le soleil reculer à Medjugorje. Certains ont vu le pain de l'Eucharistie se transformer sous leurs yeux. Qu'est-ce qui, toi, te permet de pouvoir croire que Jésus est vraiment ressuscité, que cette histoire est vraiment vraie? L'Esprit Saint, il fait partie de ce qui t'est proposé. L'Esprit Saint te permet de pouvoir chercher la vérité. L'Esprit Saint te permet de pouvoir reconnaître la présence de Dieu dans ta vie, dans ton entourage, dans tout ce qui se passe autour de toi. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions reconnaître Dieu dans chacune des étapes de notre vie. Et même quand on ne le cherche pas, Dieu se révèle à nous. Et quand on lui demande un signe, voilà qu'il peut nous donner un signe qu'on ne s'attendait pas. Aujourd'hui, Dieu veut apparaître à toi pour que tu puisses avoir l'engagement des apôtres, que tu puisses avoir l'engagement des disciples du Christ,
que nous avons entendus dans la première lecture, puisqu'ils avaient cru en Jésus ressuscité. Ils ont suivi les apôtres, ils mettaient tout en commun pour ne vivre que d'une seule voix, que de vivre d'une seule communauté. La communauté chrétienne initiale était une communauté où tout le monde avait mis en commun, parce que tous y croyaient en Jésus ressuscité. Notre communauté chrétienne ici a besoin de se remettre ensemble, non pas pour s'aider les uns les autres, non pas pour vivre les uns à côté des autres, mais pour être rassemblés par une seule personne, Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui nous rassemble. À chaque dimanche, tu viens à cette rencontre. Chaque dimanche, tu te déplaces de ta maison, tu quittes la télévision, tu quittes quelque chose d'autre et tu viens à la rencontre du Christ. Il y a des frères et des sœurs autour de toi qui viennent à cette même rencontre. Nous formons communauté parce que nous avons rencontré et nous croyons en ce Christ ressuscité. Nous sommes apôtres, nous sommes disciples du Christ. Nous avons vu et nous témoignons que Dieu est vivant aujourd'hui et maintenant. Nous sommes des croyants Dieu, Père, Fils et Esprit. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans son immense miséricorde, le Seigneur écoute les gens qui se tournent vers lui. Adressons-lui notre prière avec confiance. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à contempler les signes de la présence du ressuscité, que leur engagement quotidien alimente leur miséricorde. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les gens qui aspirent à vivre leur foi dans un contexte hostile à la religion. Que leur recherche de sécurité soit comblée par la présence de Jésus. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les personnes baptisées durant la nuit de Pâques, qu'elles s'emploient à manifester au grand jour les trésors de miséricorde reçus de Dieu. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les artisanes et artisans de paix, que leur action produise des fruits de réconciliation et de réparation. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils déverrouillent la porte de leur cœur afin de soutenir les plus vulnérables de la société. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Dieu notre Père, ton Fils ressuscité vient nous redonner souffle et entraîne sur la route de notre quotidien. Éclaire-nous de ton esprit de vérité, pour que nous puissions continuer de marcher dans la direction que tu nous indiques,
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté,
Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus a cru dans le Père. Il nous invite à croire nous aussi. Alors proclamons ensemble cette louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yes. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, lorsque nous échangeons entre nous la paix, c'est la salutation même du Christ ressuscité que nous pouvons voir dans les yeux de nos frères et sœurs. À travers cet échange, c'est le ressuscité qui nous donne la paix. Alors, frères et sœurs, donnons-nous cette paix du ressuscité. Dieu qui enlève les
Voici Jésus le ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion continue d'agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai quelques annonces, ça ne devrait pas être très long. Ce jeudi, cette semaine, c'est une journée occupée à la paroisse parce que jeudi matin, à 9h30, au local de catéchèse au sous-sol de l'église, il y aura un café partage sur le thème « Viens Seigneur, souffle ta vie ». Et jeudi, à 4h, après le chapelet, il y aura une liturgie de la parole, alors où est-ce qu'on réfléchit sur les textes du jour. Le 28 avril, l'Assemblée de Fabrique organise un dîner de crêpes. Alors, on appelle ça le déjeuner de la fabrique, où est-ce qu'on va servir des crêpes, du sirop d'érable, des fèves au lard, des jus et du café, au coût de 15 $ pour les adultes, de 6 $ pour les 12 ans et moins, puis c'est gratuit pour les 2 ans et moins. Alors, les billets vont être en vente après les messes de la fin de semaine avec Louise Hébert dans le salon du partage, ou au presbytère, vous êtes évidemment tous les bienvenus parce que c'est une belle occasion de favoriser l'esprit communautaire, de célébrer le printemps, puis d'amasser des fonds pour la paroisse. Peut-être que l'abbé Côté veut parler du parcours d'éveil à la vie dans l'esprit qu'il va y avoir à Saint-Charles-Garnier. Avant ça, ben les crêpes, c'est juste un peu moins gras qu'un dîner de cabane à sucre.
parcours de l'éveil à la vie dans l'esprit, c'est tout simplement que dans la deuxième lecture, on nous a dit que l'esprit, c'est la vérité. Eh bien, parfois, on a besoin de faire, pas qu'on n'a pas l'Esprit Saint en nous, mais parfois, on a besoin de le faire travailler pour nous donner cet élan missionnaire, cet élan pour rencontrer le Seigneur. Alors, s'il y en a qui désirent faire ce parcours d'éveil à la vie dans l'esprit, ce sera à Saint-Charles-Garnier, les jeudis soirs, de 19h à 20h30, pendant 7 semaines qui va nous amener jusqu'à la Pentecôte. Souvent, on fait des retraites pour le carême, pour se préparer à cette fête de Pâques. Puis quand vient le temps de la fête, ben, on a fait un pau, puis ça vient de finir. Là, je voulais justement que ce pau dure 7 semaines, que cet élan de l'Esprit-Saint, cette Église qui se fait connaître, puisse avoir sa vie propre. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à vous faire connaître, à vous inscrire à travers le numéro de téléphone qui est dans votre feuillet paroissial, bulletin paroissial. Sinon, bien, je vous invite à vous présenter à la première rencontre pour pouvoir vivre de l'Esprit-Saint. Ah, j'ai le temps de vous faire une petite blague. C'est Monseigneur Lacroix qui se fait interpeller par des gens, par quelqu'un qui lui dit « J'aimerais ça prier sur vous pour que vous ayez l'Esprit-Saint. » Et là, Monseigneur Lacroix de répondre « Ben, j'ai eu l'Esprit-Saint à mon baptême, je l'ai eu à ma confirmation, je l'ai eu à mon ordination presbytérale, à mon ordination épiscopale. » Il dit « Là, je suis supposé être plein d'Esprit-Saint. » Et l'autre, de s'en se laisser démonter, il dit « Oui, mais on peut-tu prier pour que ça paraisse? » Alors, si vous voulez faire paraître l'Esprit-Saint, je vous invite à participer. Alors, maintenant, il me reste à vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être uni dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Vous allez me suivre? Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques à tous. Cherche pas parmi les morts.
Oui, monsieur.